Bonjour Silicon Carnet. Bonjour, bonjour, bonsoir FOC. Bon, on se trouve à Champolly ce soir. Tout à fait. À la passerelle 109. Un bel endroit où vous venez de faire un concert. Magnifique. 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 Il y avait 250 000 personnes. Il n'y en avait pas autant, par contre l'ambiance valait autant ça. Ouais, carrément. Un pour mille. Comme bon, très bien, si on est là ce soir, c'est à l'occasion de votre passage au festival Le Ressort des Fossés, le 1er juin, à Saint-Germain-des-Fossés. Donc, ce qu'on aimerait, c'est vous connaître un peu plus. Donc, on va commencer par faire une petite présentation des membres du groupe. Donc, à tour de rôle, on va commencer à ma gauche. Donc, du coup, moi, c'est Bérénice, je suis guitariste et accordéoniste en Silicon Carnet depuis 4 ans maintenant, avec mes acolytes. Clément, batteur dans Silicon Carnet depuis 4 ans, et puis aussi un peu ce qui est administratif par régie, etc. Wassim, guitariste chanteur, et ça fait un an et demi que je suis dans le groupe. Merci beaucoup. Émilie, je suis régisseuse du groupe depuis 2 ans. D'où venez-vous, Silicon Carnet? De quel endroit? De quelle ville? De Dijon, en Bourgogne. Le groupe est de Dijon, ouais. Donc le groupe Silicon Carnet est installé en Bourgogne, à Dijon plus précisément. Depuis 4 ans. Ok. Vous êtes tous originaires de là-bas? Non, pas du tout. En gros, le groupe nous a tous réunis sur cette ville, ou alors on était déjà, pour certaines personnes, déjà sur la ville, et puis ils sont fait happer par le groupe. Voilà. Sinon après ça vient de Bourgogne, du Beaujolais, de Paris, même ailleurs, de Nevers, différents voyages de chacun. En ce qui me concerne, moi je vivais à Paris avant, j'ai vécu 8 ans à Paris, et avant ça j'étais aux Émirats, donc... Je viens d'un autre coin du monde. Quoi, donc c'est un groupe international alors. Ouais, un peu. Ouais. Ça a commencé, ouais. Bah, il y a Sri Lanka, l'Espagne, l'Algérie et, voilà, et la Roumanie. Quoi. c'est pas rigolo, c'est pas une insulte qu'on dit. Si on parle des origines, ça fait ça, ouais. Voilà, ça fait ça, vraiment. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez fait pour choisir le nom de votre groupe? D'où vient cette idée? D'où vient ce nom? Eh ben, c'était au début, à la formation du groupe, où on a passé du temps, comme tout groupe, à chercher un nom qui nous corresponde, vraiment qui nous fasse plaisir quand on dit le nom ou qu'on l'assume. Et un soir, on a décidé de prendre une nuit entière pour pouvoir trouver le nom, parce qu'on avait plusieurs idées au fur et à mesure qui ne sont pas tout forcément... Tout était plus ridicule les unes que les autres. Voilà. C'était quoi Spoutnik? Non. Et au gros, on a passé la soirée où on s'est dit, bon, on prend un temps à plusieurs et on balance beaucoup de noms. Beaucoup de mots dans tous les sens, tout ce qui nous passe par la tête. Un brainstorm. Oui, voilà, c'est ça. Et vers 4h du matin, la technicien qui était avec nous à l'époque a lancé Silicon, je me suis levé, j'ai créé Carnet et on a eu une demi-heure de fou rire. Et après, on s'est rendu compte que Silicon Carnet, ça fonctionnait dans notre sens, du mélange de Silicon Valley et Silicon Carnet, l'opposition entre le superficiel et le traditionnel, et aussi le voyage, etc. Donc on s'est dit, c'est bon, c'est parti. Il y a un truc qui m'interpelle, donc je viens de voir votre concert à l'instant, c'est vos influences. Ah, vos influences, on va y passer du temps là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais? Oh, il y a bien là trop. Je suis submergé de vos influences. Voilà, c'est une salade de fruits, mon truc. Je vais vous laisser expliquer ça parce que je pense qu'on a chacun vraiment des influences vraiment différentes. On se rejoint sur quelques influences communes. À titre personnel, je serais un peu une grande influence. Il y a eu Mathieu Chédid, il y a Rodrigo et Gabriella. C'est toi qui as influencé Mathieu Chédid. Après, j'ai pas mal écouté de folk, pop-rock quand j'étais plus jeune. Et puis, je viens, au tout départ au niveau musical, je viens de Musette. D'accord. Voilà. Tu étais accordéoniste de Musette, c'est ça? Ouais, j'ai fait pas mal de... Enfin, essentiellement du Musette, il y a juste avec Silicone où l'accordéon prend un peu une autre couleur. Mais sinon, au départ, à l'accordéon, je fais du Musette. D'accord. Et donc en fait, t'as failli mal tourner, ils t'ont récupéré, c'est ça? Elle a fait une cure de quelques mois, et puis depuis, ça a mieux. C'est ça. Oui. De mon côté, c'est plus ce qui est punk metal au
niveau de la batterie, avec aussi une approche du jazz, mais vraiment on peut appeler ça une approche pendant un temps sur toute ma formation de batterie, et influencé de tout ce qui est percussion, tribal, de différentes ethnies, et autant que ce soit l'Afrique, le Brésil ou même la Mongolie, et, tout ça mélangé, redonné là-dedans. Ça sent. Merci. En ce qui me concerne, j'ai commencé avec le punk, mais la musique pour moi, c'était depuis que je suis tout petit. Mon papa était bassiste, un grand fan de Led Zeppelin, un grand fan de Beatles et de Clapton. Enfin, mon père c'est un bluesman à la base. Donc pour moi, la musique c'était depuis que je suis tout jeune. Et à la base, je voulais apprendre la batterie, mais ma mère était contre. j'ai commencé la guitare assez tard. Enfin. Aujourd'hui j'en ai 27, je suis sur ma 28e année, j'ai commencé la guitare à l'âge de 19 ans et c'était vraiment un coup de tête. Mon groupe avait besoin d'un guitariste, pas de guitariste, j'ai acheté ma guitare au bout d'une semaine et 10 jours après ça on était sur scène. Donc mes plus grosses influences au niveau de la guitare ça reste les Ramones, Iggy ouais. Stooges, tout ce qui était la belle époque du rock quoi. Et après bon, punk, metal, j'ai touché un petit peu. Voilà. Et toi? Et Michael Jackson aussi, tiens, ça il faut le mentionner. Michael Jackson était une très grande influence dans ma vie. Mais tu sais, c'est des influences à toi. Parce que t'es dans le groupe, donc c'est que tu t'y retrouves au niveau influence. Bah oui. Moi j'ai. Tu as le droit à un joker. Non? Allez! Le Fofoa? Moi j'ai grandi en écoutant aussi bien de la chanson française que du punk. Et du coup, je pense que je retrouve un peu pas mal de trucs qui me plaisent dans le groupe, de plein d'univers différents. Parce que musicalement, on travaille aussi un peu en partie avec la régie. La porte dit des fois, non, ça, arrêtez, c'est nul. Ça, par contre, c'est bien. On va venir dans ma prochaine question. Qui compose dans le groupe? C'est une œuvre commune ou... composition classique, c'est-à-dire qu'on va se ramener et... Sur un coup de tête, par exemple, sur Jump on My Back, qui était le premier morceau qu'on avait fait ensemble en tant que trio, c'était un truc du style, voilà, on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'accord, avec et, je ne me rappelle plus si c'était Béré qui avait lancé le... C'était toi qui avais lancé le... Je dois avouer que j'avais aucune idée. Je ne me rappelle plus, mais en fait, c'était le morceau d'audition. Et mon audition, c'était sur Jump on My Back. Et vous travaillez comment En gros, vous faites d'abord le texte et vous mettez une musique. Il n'y a pas de formule, c'est finalement comme beaucoup de groupes, il n'y a pas vraiment de formule. C'est tout est possible, autant depuis un rythme batterie qu'un chant, qu'une guitare, que pendant un buff on trouve une musique. Et il y a une des musiques qu'on joue qui a été trouvée à la fin d'un concert au Morel en scène, où dans la soirée il a trouvé le riff, on s'est ramené, on a fait un buff, par hasard j'ai enregistré avec le portable, le lendemain on l'a écouté, et en fait tiens, te rappelles de ça, ouais, mais t'as... Ouais, on travaille, ou alors un riff de guitare entier, où il n'y a vraiment aucune formule. Il n'y a vraiment pas de formule, il peut arriver que quelqu'un arrive avec un riff entier. Et qu'on lui dise que c'est pas bien. Merci. Il peut arriver que le batteur propose des riffs aussi. Ouais. Voilà, enfin, il y a vraiment pas de formule. Après, pour les paroles, c'est un peu différent. Moi, j'écris tout le temps, donc si je trouve quelque chose qui correspond un petit peu au son et à l'ambiance, je vais l'ajouter. Sinon, je commence dès le début. En fait, je prends le morceau, je l'écoute et je l'enregistre. Et voilà. Puis après, on partage et et puis elle apporte sa touche au niveau de la scène. Donc, on passe scéniquement ça pour mettre en valeur ou pas, etc. Mais en ce qui concerne tout ça, on partage tout, c'est-à-dire que quand on écrit des paroles, quand j'écris des paroles, souvent on me demande qu'est-ce que t'as écrit et le groupe est obligé de savoir. De toute façon, je ne peux pas chanter quelque chose que le groupe ne comprend pas. J'aime pas assez. Mais c'est vraiment un partage, c'est pas parce que j'écris tout seul que... Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que sur les textes, je mets les trois noms. Quoi. En fait, chacun donne son avis sur ce que fait l'autre, conseille ou dit... Oui, c'est un travail collectif. Voilà, c'est ça, c'est un travail de groupe. Associatif et collectif. C'est pas facile. Voilà, c'est ça. On se prend beaucoup la tête. Mais gentil. Vous êtes jamais battu. Non. On en est jamais venu. On en est jamais venu aux mains, mais comme tout. C'est comme un couple marié, au fait. Hein. Comme tout groupe de personnes qui passent énormément de temps ensemble, il y a des moments extrêmement joyeux, des moments où on se prend vraiment la tête parce qu'on prend ce projet à cœur. Je pense que oui, voilà, vu que chacun est vraiment très très impliqué, ça implique forcément un clash. Si les gens étaient vraiment
un peu plus en retrait, oui, il n'y aurait pas de clash. C'est ce qui fait notre personnalité aussi. C'est vivant. Enfin, sur scène, notre énergie, enfin, ça nous est déjà arrivé de se prendre la tête avant de monter sur scène et arriver. Par contre, ouais, tout, à chaque fois, le concert remet tout le monde ensemble. Ça, à la fin, en mode, ouais, mais qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je sais plus. Combien d'albums à votre actif? 17. Un premier EP, Hope, qui est sorti en 2011. Et qui était avec l'ancien chanteur du groupe. Et là, il y a un deuxième EP qui va sortir dans les mois qui viennent. Vous êtes en train d'enregistrer, vous êtes en studio? Non, on a enregistré 5 titres au studio Rock'n'Roll, à côté de Chalon-sur-Saône. Très bon studio. Ouais. Et là, c'est en cours de mastering et ça va pas. En fait, c'est juste qu'on garde la date de sortie secrète. Donc, allez. C'est surprise quoi. Allez tous les jours, il y a un jour, on va le sortir en mode tard. Est-ce qu'il sera dispo à la vente pour gratos? Le CD sera du coup en écoute sur le site et il sera téléchargeable sur le site. D'accord. Mais il sera support physique alors? Non, au début, en premier, du coup, non, sûrement en support numérique et du coup téléchargeable en soutien au groupe à prix libre. Si tu veux donner quelque chose, soutenir, tu peux. Si tu veux pas, bah prends la musique et partage. On prend tout, les clopes, les briquets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous faites pour vous faire connaître vos moyens de communication aujourd'hui, internet, les radios? Alors on a un site internet, silicone-carnet.jimdo.com. On a une page Facebook, on a une page MySpace, on a un Twitter, on a tous les réseaux sociaux qui sont à la mode. Après, niveau communication, on fait des concerts, oui. Ce qui est le premier moyen de se faire connaître et de rencontrer des gens. On a du coup des EP, les anciens, toujours à donner ou à la vente à prix libre. On a quelques vidéos du nouveau set, après, et de la résidence. Après, si vous regardez bien, toutes les semaines, il y a une personne de France qui porte notre maquillage sur un triptyque. Oui, on a un projet photo In Your Face, où du coup, il y a des triptyques avec les maquillages des musiciens, mais c'est pas les musiciens. Qui sort toutes les semaines. C'est toutes les personnes qui ont envie d'interpréter les maquillages qu'on porte là en ce moment, mais en mode pas après un concert, ils sont clean, mon maquillage. On essaie un petit peu tous les médias et tous les moyens qui existent et on se fait plaisir avec. La vidéo, c'est parce que du coup, Clem est monteur vidéo aussi, du coup, ça lui fait plaisir de monter des chansons qui sont filmées. La musique, parce qu'on a un groupe de musique, du coup, c'est le premier moyen de partager. La photo, c'est parce que du coup, moi je fais de la photo et du coup, ça nous permet tous aussi de toucher à d'autres domaines qu'on aime et d'avoir un autre moyen de partager avec les gens autour de ce projet qui nous rassemble. Silicone Carnet, on arrive au terme de la première partie de cette interview. Première partie. Il y a une deuxième partie. C'est la partie blind test du coup. Ouais. Non, c'est pas vraiment un blind test, mais vous allez avoir l'occasion de mettre votre talent. Talent. Rappel. Donc on vous retrouve le 1er juin. Tout à fait. À Saint-Germain-des-Fossés dans l'Allier. Yes. Voilà, Silicone Carnet, au sort des Fossés pour tout envoyer. Tout défoncer, ça tout défoncer, ouais. Pour faire jumper, c'est ça.
On est tous sautés sur notre dos à Outside Fauté. Merci Silicon Carmen. Yes. Merci Outside Fauté. Coupé. To this game, I feel your disgrace. Down to my head, I feel.